C'est fou ça, j'ai plein de vêtements, mais je suis même pas capable d'acheter un col roulé décent. J'aime pas ce col roulé. J'aime pas la matière, j'aime pas la finesse. Par contre, j'aime bien la couleur. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le col roulé. Ouais, donc comme je disais, ce col roulé, c'est vraiment de la daube. Hein. Il est vraiment très très fin. Je vais vous remettre le lien en barre d'infos pour pas que vous l'achetiez. C'est vraiment pourri, j'étais content sur le coup parce qu'il était pas cher. Je pensais avoir fait une bonne affaire, mais c'est la grosse... Donc on est encore dans la saison du col roulé. Donc je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous montrer quelques idées d'association avec cette pièce. J'ai que deux cols roulés, les deux c'est de la... Donc celui-là qui est gris clair et l'autre qui est gris foncé. Faut vraiment que je m'en achète d'autres et en laine si possible. Pas en coton fin comme ça pourri là. Bref. Je vous l'avais déjà dit je pense, mais je trouve que le col roulé ça rajoute directement une petite touche d'élégance, une petite touche de sophistication. J'espère que ça a du sens. Et donc voilà, c'est simple, c'est pas prise de tête, ça tient chaud, c'est stylé, c'est masculin, j'aime bien. J'aime beaucoup les cols roulés quand ils sont de bonne qualité bien sûr. Du coup on passe directement à la première tenue, donc c'est avec une veste en cuir. Bon, dans toutes les tenues j'ai mis un chapeau parce que je trouve qu'avec une casquette ça rend pas trop bien et comme j'adore mettre des couvre-chefs, bah j'ai mis un chapeau. Et ce truc est élastique en plus, mais quel daube! Bref, donc je mets cette tenue avec des mocassins, un jean troué pour que ça fasse quand même un peu décontracté. Et le col roulé, je trouve, avec la veste en cuir, ça rend très bien. En fait, le col roulé, t'as juste besoin de mettre une veste. Avec n'importe quelle veste, je trouve que ça rend bien. Là, par exemple, je le mets avec un par-dessus. Ça, c'est vraiment pour moi l'élégance ultime. Un par-dessus avec un col roulé, c'est vraiment le top, top, top du top. Mais pour décontracter la chose, je veux quand même mettre des Chelsea boots. C'est des chaussures qui font très détendues pour moi, des chaussures qui font vraiment un style simple en fait. J'aime beaucoup les Chelsea, mais ça reste dans le côté habillé parce que c'est quand même des bottines. Ensuite, une tenue encore plus décontractée, encore plus... J'arriverai pas à trouver de mots. En col roulé, tu mets avec une veste en jean, mais pas n'importe quelle veste en jean, une veste en jean oversize. Et là, pour rester sur ce côté un peu décontracté, tu prends avec une paire de chaussures blanches. Les sneakers blanches, pour moi, c'est vraiment la paire de chaussures qui peut aller avec tout, qui rendra toujours ton style bien, mais qui est simple en fait, qui fait décontracte, qui fait pas prise de tête, et ça fait du bien parfois d'avoir un style comme ça. Et il se bouloche tout seul, il remonte comme ça, je suis obligé de le baisser, de tirer comme ça pour que ce soit lisse. Sinon. Or, bref. Sinon, il y a aussi moyen de le mettre avec une veste en jean normale, bien sûr. Hein, ça rend très très bien aussi. De toute façon, n'importe quelle veste que vous avez, vous pouvez mettre un col roulé en dessous. Parce que je trouve juste que ça rend pas très bien quand la veste a un col fourrure. Un col roulé avec une veste col fourrure, d'autant plus si le col est en contraste avec la couleur de la veste, ça rend pas très bien. Par exemple, si j'avais une veste foncé avec un col blanc et que tu mets un col roulé en dessous, je trouve que ça rend pas très très bien. Je trouve que ça fait trois couleurs, ça fait un peu beaucoup juste pour le dessus. Mais bon, par exemple, là je la mets juste avec un bomber beige. Le bomber c'est la seule touche de couleur et il y a pas de col fourrure qui contraste avec la couleur du bomber. Donc je trouve que ça rend plutôt bien. Des Chelsea marron, je sais pas trop comment justifier. Pourquoi pas marron, voilà. Et enfin la dernière tenue, bon c'est pas du tout une tenue que je porterai tous les jours, mais vraiment du tout parce que je m'habille jamais comme ça, sauf pour les occasions particulières. C'est avec un costume. Donc là j'ai mis la totale, hein, le petit veston, la petite veste. Le pantalon, toute la même couleur bleue. Le bleu comme ça j'adore. Et tu mets le petit col roulé. Oh ça me saoule. Et tu mets le petit col roulé en dessous. Avec le chapeau au-dessus pour rester dans l'élégance, tu mets les mocassins. Et ça rend très très bien. Bon évidemment on peut pas porter ça tout le temps. On peut pas porter ça souvent même. C'est largement possible aussi d'enlever le veston et de juste mettre la veste au-dessus. Ça rend très bien aussi. Voilà les gens, cette vidéo est terminée. Oh, ça va me saouler, je vais le déchirer avant la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, lâchez un petit like et n'hésitez pas à vous abonner. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Tchuss !